super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial. Coucou les loulous. Coucou. Ça va aujourd'hui, mes chéris? Oui. Alors les petits copains, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur des fameux Lego. Je sais pas si vous avez vu la vidéo d'avant. C'était quelle vidéo que nous avions fait quand nous avions gagné ces Lego là? La course. Et oui, nous avions fait une course façon Total Wipeout. Wipeout, parce que c'est une émission que qui adore? Qui c'est qui adore ça? Ouais. Corentin, on avait eu cette idée de faire une espèce de course. Et on a gagné des Lego. Oui, mais est-ce que tu veux dire, mon chéri? En fait, j'en ai loupé zéro d'épisodes. Oui, il adore ça vraiment, Corentin. Oui. On a essayé vraiment de faire une course. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, on vous invite à la regarder en cliquant sur le petit i qui se trouve ici. Voilà. Alors, les loulous, qu'est-ce que vous aviez eu? Alors, je me souviens plus. Vous aviez eu quoi comme. Alors, c'était deux boîtes de Lego Friends de 5 à 12 ans. Voilà. Alors, la boîte était abîmée, je l'avais déjà dit, parce que c'était les dernières boîtes. Donc. Il y avait le prix qui était un peu en baisse, voilà, voilà tout. Alors voilà, ce sont des Lego avec bah, des animaux. Ça doit être l'anniversaire des animaux, je pense, donc pour Océane. Et pour Corentin, ce sont des super héros de Marvel. Donc il y a, donc je ne sais toujours pas, Robin, Batman et Catwoman, voilà. Et celui-ci, je ne sais toujours pas comment il s'appelle, parce que je regarde pas trop ce genre de film. Voilà pour la collection. Donc il nous manque, mais il nous en manque plus qu'un seul. Il y en a trois pour compléter la collection, mais celui-ci n'y était pas. Avec Flash Gordon et Mr. Freeze ou quelque chose comme ça, je crois. Donc est-ce que vous voulez ouvrir ces super boîtes que vous avez gagnées la dernière fois, les loulous? Oui. 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 Alors, ben écoutez, on ouvre les boîtes et puis bon, on monte ça, on va monter ça en accéléré, je pense. Comme ça, ça ira un peu plus vite. Et je pense que je vais aussi aider Mademoiselle Océane parce que c'est à partir de 5 ans. Bon, elle arrive un peu à monter les Legos, mais elle est un peu. Parce que j'ai bientôt. Elle est un peu petite encore, ouais. C'est un peu compliqué, ouais. C'est le début. Alors, ouais. Vas-y, bah, ouvrez. Ouvrez et on va voir ce qu'on peut. Alors, moi, donc, ça, bah. Ah bah, il y a combien? Alors, il y a un et puis un deuxième sachet pour Océane. Ouh, petit, petit. Avec la petite. Ben, la petite notice, enfin c'est pas une notice, c'est manuel de montage. Et voilà, donc on y va pour Océane? Oui. On ouvre tous les sachets. On ouvre tous les sachets? Voilà, ben, c'est tout ouvert. Et Corentin, ben, lui il s'est débrouillé tout seul parce que t'as quand même monté le Millennium Falcon presque tout seul, on va dire. Ah, il y a des capes là-dedans. Oh, il y a des capes là-dedans. Ah, et oui. Voir qu'on les perde. Ouais. C'est ouais, bien fait. Tout à fait. Petite boîte. Personnage. Alors voilà. Ah, il est trop beau. Alors ça, c'est Robin dans sa super Robin mobile. Je sais pas comment ça s'appelle. Avec un petit grappin, il est trop beau. Ils sont vraiment trop trop beaux. Voilà le petit Robin. Ensuite, effectuer. Qu'est-ce que nous avons là? Bah, bien sûr, qui dit Robin dit Batman avec la Batmobile. Waouh, il est trop beau. Moi, j'aime bien. Trop, trop beau. J'adore ces petites boîtes de Lego. Elles sont sympas. Ouais. Waouh, trop Regarde. Celui-là, ils peuvent tourner le truc. Ah oui, c'est pour faire des trous en fait. Alors, je sais plus comment ils s'appellent, les amis. Je connais pas trop l'univers de Batman et tout ça. Alors voilà, donc ça tourne. C'est une fraise, ouais, c'est pour faire des trous. Fraise à terre. Voilà, il rentre. Non, regarde, il rentre. Voilà, dans la terre. Et voilà. Voilà, ils sont super beaux. Ah, il a une bombe. Il a une bombe, il va déclencher la bombe. Ils sont super super c'est beaux. C'est pourquoi il va faire ça? Non. Il va faire ça pour attaquer Robin. Ah oui, il va attaquer Robin. Oh. Et maintenant, et ensuite, on a Catwoman. Alors, Catwoman. En fait, c'est ce qu'il va faire lui maintenant. C'est la bombe, lui. Il va la reprendre et il va la jeter sur lui. Oh. Donc après, ça explose. Et là, tiens. Nous avons donc. C'est Catwoman avec sa super voiture à son effigie. Avec son petit diamant qu'elle a volé. Elle a
queue de chat derrière la voiture, c'est trop chou. Et même une petite brique de lait pour le chat. Miaou, voilà. Ils sont vraiment trop trop beaux. Tiens mon loulou. Et Océane, toi, qu'est-ce que tu as eu alors? Alors Océane a eu. Donc là, c'est un petit four avec un frigo, le lait derrière, la petite bouteille de lait, un petit ballon. Et je pense que ça ne se voit pas dessus. C'est un gâteau. Oui, c'est un gâteau avec une petite table. Alors ça, ça allait avec le petit chien. C'est ça? Avec le petit chien qui est là, qui est trop choupilou, il est trop beau, il fête son anniversaire, joyeux anniversaire. Bah d'ailleurs, joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Ensuite, bah là, nous avons eu une fois collection des lapins, la petite balançoire, avec les deux petits lapins bah, qui sont je ne sais où. Ça, c'était pour qui, ça? Ça, c'était pour le chien aussi, voilà, c'est pour manger, faire sa fête d'anniversaire. Et ensuite, là, nous avons... Attention, la marchande, oubla, la marchande, oh, c'est trop trop beau avec la caisse enregistreuse. On va faire un petit résumé, on va vous montrer ça un peu, tout sur la table un peu joliment parce que là ils sont en train de jouer avec, c'est un peu la panique même partout. Au revoir, avec une de moi. Alors voilà pour le résumé, donc nous avons les 4 véhicules de l'univers Marvel avec Catwoman, Batman, Robin et l'autre, je ne sais plus le nom, alors dites-le dans les commentaires, ça nous aidera. Et ensuite Océane avec sa super scène d'anniversaire avec le petit chien, il est trop beau devant son four, devant son... Il fête son anniversaire, c'est ça, ou il fait la cuisine peut-être pour son anniversaire. Et à côté, nous avons donc une marchande avec des petits lapins qui vont faire de la balançoire. Est-ce qu'ils font de la balançoire, Océane? Non? Ils font pas de balançoire là? Voilà, parce qu'on peut les mettre sur la balançoire. Tu fais bouger la balançoire pour montrer? Voilà, on peut les mettre dessus pour faire la balançoire avec leur petite carotte et un petit os pour le petit chien. Moi, c'est trop chou. Non, même deux os. Oui, deux os, il y a. Oui, il y a deux os. Voilà, et puis derrière, on va appeler Playmobil d'Océane parce qu'elle jouait avec ses Lego. Avec un Lego. Alors, ça y est, les loulous, c'est déjà la fin de cette vidéo. On va se quitter, hein. Vous n'êtes pas trop tristes? Non. Non, ça va parce que vous savez qu'on va se retrouver. Océane, ouais. Tu as été contente de tes surprises? Oui, hein, même si tu as perdu la course, c'est pas grave, tu as quand même gagné les surprises. L'important, c'est de participer. Et de participer. Et Corentin, toi, tu es content de tes surprises? Oui, et aussi, je suis contente d'avoir gagné. Ah oh, oui. Alors, les petits copains, bah, dites-nous dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, si vous aimez les Lego, si vous en avez, si vous avez déjà eu ces véhicules, pourquoi pas. Oui. Et dites-nous surtout le nom de celui qui nous manque avec sa grosse fraise ici là, voilà, celui-là, ça nous fera super plaisir. Alors les petits copains, on va vous laisser. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit un petit pouce vers le haut. Et puis bah, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes nos vidéos. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux comme Facebook où on met souvent bah, la vidéo quand elle est sortie aussi. Et puis, bah, en attendant la prochaine vidéo, on vous fait des gros bisous. Bisous les amis, bisous, à la prochaine. À la prochaine.